Salut, c'est Kayana. Petit retour sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors, je me suis remis à la collection de cartes, principalement du Yu-Gi-Oh! Voilà. Et un petit peu de Pokémon, voilà, un petit peu beaucoup. Donc, pour cette vidéo, on va ouvrir ces deux-là, qui est les mêmes. C'est exactement les mêmes. Donc, c'est parti. Je vais le mettre là. Où est-ce que j'ai mis mes ciseaux? Donc, c'est des boosters hors maximum. Là, j'ai moins de droit. J'espère que la lumière n'est pas trop forte. Et où, petit bidule. Ah, c'est bien emballé, hein. Hop, ça risquait pas de bouger. Oula, oula, oula. Je vais ouvrir les deux. Ouais. Alors, nous avons. J'espère que vous voyez bien. Fais un petit. Non, il veut pas faire bleu. Voilà. Alors, Pélinor, le chevalier noble. Table ronde du chevalier noble. Statue barrière de la sécheresse. Réincarneuil Fastar. Ouh, une bleue. Qu'est-ce qui est marqué dessus? Melque chevalier de l'étoile du matin. Ça serait bien si ça faisait des mises au point. Voilà. Je vais mettre là, voilà. La guide des enfers qui brille. Ouh, le dragon blanc aux yeux bleus. Elle est jolie celle-là. Ah, il y a des papiers partout. Allez, c'est parti. Deuxième booster. Oui, moi j'ouvre ça au ciseau. Hein. Première carte. Fais la mise au point, s'il te plaît. Ah, la mise au point automatique, c'est pas le pire. Hein. Voilà. Alors, numéro C107, Néodragon, Takio, aux yeux galactiques. Oh, vache. C'est compliqué. Ça devient compliqué les noms. Hein. Numéro 101, Honneur Silencieuse Arche. Ensuite. Traptrix Mantis. Rébellion Ange Déchu. Cercle des Bois du Feu. Avec le petit oiseau. Très mignon. Divernosaur. Putain, c'est quoi ce truc? Oh, ça a changé les cartes Yu-Gi-Oh! Oh, ça brille. Et petit salon de fer. Ensuite,
L'éruption des monarques. Hangar-Union. Prison dimensionnelle. Destructeur galactique superdimensionnel. Ah, le truc, c'est Goldorak. Hein. Perdez un tour. Ah, la polymérisation. Waouh. Et beauté fantôme et manoir hanté. Voilà. On continue. Il nous reste 5 boosters. Numéro 87, Reine de la Nuit. Je vais prendre dans l'autre sens. Numéro 107, Dragon Tachyon aux yeux galactiques. Tatrixonia. Oh, il est super celui-là. Crapaudilique. Statue barrière du paradis. Nut, ancienne entité. Et sur Nalish, le seigneur d'or. Mise en point. Voilà. Alors celui-là on l'a déjà vu. Traptrix de l'Anéa. Transcodeur bavard. J'enfile un peu. Statue barrière des abysses. Dragon fantomatique familier de harpie. Waouh. Guide des enfers. Un autre dragon blanc aux yeux bleus. Je vais avouer que j'aime bien, j'aime beaucoup cette carte. Ensuite. Éruption des monarques, ça on l'a déjà vu. Hangar-Union. Numéro 87, Reine de la Nuit. Statue barrière de la sécheresse. Cercle du bois de feu, on l'a déjà vu. Chacanine du zodiaque. Et infirmière dragonifère. Dragon Iréa, pardon. T'as pas envie de la rencontrer, Paul. Hein? Ça voulait bien faire la mise au point. Voilà. Alors, Buster Blader. J'arrive même pas à lire comment ça brille. Le Spalassin Dragon Destructeur. Taketomba. Oula. Extra Sacrifice Inutile, ça je la connais. Temple des 6. Un canal Fasta, on l'a vu. Chaque anime des Zodiacs. Kébraïne. Et chevalier fantôme de la barbiche rouillée. Voilà quoi. Et le dernier,
Alors, Carrefour Robot Lumière de Toile. Domaine des vrais monarques. Statue barrière du paradis, celle on l'a déjà vue. Contact ange déchu. Statue barrière des enfers. Elle est stylée celle-là. Nibiru, l'être primitif. Et. Ah! Dragon XYZ de la rébellion des ténèbres. Elle est jolie, elle est jolie. Ben voilà. On est tombé sur deux dragons blancs aux yeux bleus. Attendez, où est-ce? Voilà une. Et la deuxième, elle est au début. Voilà. Et voilà deux. Ah, je suis contente, c'est celle que je voulais. J'en ai eu deux. Que demande le peuple? Une petite mise au point, peut-être? Voilà. Voilà. Bon, à la prochaine pour une prochaine vidéo unboxing sur Pokémon. Voilà. Allez, à plus!